Salutations voyageurs et voyageuses et bienvenue dans No Man's Sky. Dans cette vidéo, je vais partir à la recherche d'un multi-outil de type Alien que j'avais découvert lors de mes précédentes saves. Donc, c'est parti. Donc, on va se rendre jusqu'à un portail. Est-ce que je suis sur la bonne cible? Oui, le portail est là. Donc, on se retrouve au portail. Donc, l'adresse pour découvrir ce multi-outil, c'est oiseau, lever de soleil, ok, diamant. Tipi. Ou le tipi. Voilà, lever de soleil. Un autre chose, un autre oiseau, la triforce, ah ici, voilà, le navire, la fusée et le poisson. Voilà, si je me suis pas trompé. On se retrouve de l'autre côté. Ok, il est là. Voilà. Ici, c'est ma dernière station minière. Poste. Voilà. Monsieur Corbax, après vous. Et le voilà, le fameux alien tension clarificateur version 2. Donc le multi-outil de type alien classe S. Donc je vais le remplacer par je vais l'échanger avec le multi-outil que j'ai ramasser sur la première station. Ainsi se termine la chasse au multi-outil de type Alien classe S. Donc ça a mal débuté en se fiant au poste de communication quand on est tombé sur un classe O 23 cases. Par la suite, j'ai fait des recherches à partir des cartographies des postes habités pour trouver un autre camp de mineurs. Un autre camp de mineurs. Puis ce que j'ai réussi à découvrir, c'est un classe S 24 cases, multi-outil classe S 24 cases justement. Et à la place d'un poste de communication, j'ai mis une balise rouge avec une étoile que vous voyez derrière moi. Donc si cet outil vous intéresse, juste à faire le code de l'adresse, débarquer sur la planète et s'orienter vers la balise rouge. Donc, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis bye bye et bon jeu. Bon, ben petit prologue. Je vais mettre aussi les coordonnées. C'est là que vous pourrez trouver votre outil Alien classe S 24 cases. Bonne chasse et à la prochaine.